Ah oui, voilà. Alors, actuellement, moi je travaille avec une pièce de Schumann, hein, et les études symphoniques. Pas mal de travail, comme vous savez. Il y a des choses assez difficiles. Pas tellement difficiles mécaniquement, enfin techniquement, mais quand même, il y a deux choses différentes là-dedans. Écoutez, le motif toujours la main gauche. Très joli motif. Et en même temps, en même droite. Il souffle comme les bras. Alors nous avons le problème. Donner tous les deux en même temps, c'est difficile. Alors si vous voulez, je vous montre entièrement cette variation.
C'est toujours avec une secrète appréhension que Zéphra quitte sa maison de Cormeilles en Parisis. D'abord, il aime son chez-lui. Et puis, donner un concert, c'est toujours une aventure. On croit que pour un virtuose, c'est un jeu familier. Soit, mais dans l'esprit de Zéphra, il s'agit vraiment de donner. Donner quoi? Tout ce qu'il a en lui, de force concentrée, de cette ardeur de fauve, qui tout à l'heure va se muer en jet de foudre, en caresses impalpables, en passion ménagée. Jusqu'à la dernière minute, il lui faut exercer ses mains, dont il semble que Valérie aurait pu s'inspirer pour célébrer, comme il l'a fait, la main prodigieuse de l'artiste, égale et rivale de sa pensée. L'une n'est rien sans l'autre. Une loge dans les coulisses d'un théâtre. Investir de fortune. Et un piano. Un humble piano. Que dit-il à Zéphra? Pas grand-chose. Il faut faire avec ce qu'on a. C'est la devise des sages. Thank you.
On peut aller, monsieur? Oui. Merci. Georges Ziffra l'a crié alors qu'il n'était pas venu à Marseille depuis plusieurs années. Comme à son habitude, il nous a concocté un programme très romantique. Je voudrais présenter pour le public deux rhapsodies de Brahms, Johannes Brahms, qui est assez rarement interprété. Ensuite, une petite œuvre de Félix Mendelssohn, regardez, de Rondo Capriccioso. Oui. C'était une petite perle, un petit chef-d'œuvre. Ensuite, quelques œuvres de Frédéric Chopin. Chopin, qui, comme vous le savez, est l'un des plus grands poètes de la piano. De Chopin, son compositeur fétiche, il interprétera une grande polonaise fantaisie et une barcarolle, sans oublier une tarentelle qui n'a été jouée que très rarement. Quant à la deuxième partie du programme, elle a été modifiée. Georges Ziffra souffre d'une luxation à l'épaule. Il ne pourra pas jouer la Mephisto Vals de Liszt. Je ne suis pas seulement
touché, mais je suis ému. Et merci mille fois à l'homme de notre initiative, à Chapelle Royale Senlis, future au l'Auditorium Franz Liszt. On vous a entendu et vous êtes gentil de les avoir remerciés. Je crois qu'ils seront très touchés. Et comme on ne peut pas se quitter sans écouter Georges Siffra, je ne vais pas vous demander de continuer comme ça maintenant sur ce piano. Cela n'avait pas été prévu. Mais rappelez-vous, nous avions enregistré au cours de la répétition une étude transcendante de Franz Liszt. De Franz Liszt. Et peut-être pourrions-nous l'offrir. Ce serait un autre témoignage de Siffra à ses amis. Avec le joie. Merci. Je pense toujours, avec mon départ très très difficile, vous savez, de Budapest, oui. Et puis, à l'âge de 5 ans, enfin, 4 ans, parce qu'à 5 ans, j'ai été déjà engagé dans un cirque de cette époque, l'ère de Carmen, Faust, quelque chose. Jusqu'à 16 ans, car les 17 ans, 18 ans, à l'âge de 18 ans, j'ai été déjà mobilisé, convoqué comme soldat. Je me demande si vous êtes aussi jeune qu'en 56, pas aussi jeune que là, mais qu'en 56. Écoutez, non, moi j'ai quoi, j'ai encore plus jeune, moi, aujourd'hui. Plus jeune, encore plus jeune. C'est l'enthousiasme. Il faut faire ça. Il faut vivre comme ça, vous savez, ça c'est le signe de bonheur. Presque pareil, quoi. Comme expression, c'est tout à fait la même chose. Hein? C'est l'invention de mon fils, Georges, qui a trouvé. Et si j'avais à écrire un livre sur la chaise Dieu, je crois que volontiers, je prendrais ce titre. De Saint-Robert à Xifra. Frédéric Chopin, qui est l'un des plus grands poètes dans la littérature pianistique, raisonnablement, bien entendu, c'est, tout le monde est d'accord, je crois. C'est plein de romantisme, c'est extraordinaire, oui, moi, c'est très très cher à mon cœur. Oh, je suis fou. Oh. Alors. De bonté, de beauté, bonté, hein, qui est égal avec le bonheur. Vous êtes, si vous êtes bon, hein, vous êtes automatiquement heureux, non, je crois. Et qu'est-ce que ça veut dire, le bonheur? À mon avis, c'est une tranquillité absolue, l'intérieur, et puis une compréhension d'humain vis-à-vis. Il ne faut pas chercher le bonheur, vous savez. Le bonheur est là, je crois. Autour de nous, devant nous, dans notre intérieur. À mon avis, écoutez, pour être heureux, c'est suffit un simple bonjour sympathique par quelqu'un qui a le sourire. Ah, ça arrive. Ça peut être absolument désagréable. Au Japon, par exemple, à Tokyo. Sur la scène, c'est arrivé comme ça. Devant 4000 personnes dans les salles. Non, j'ai fermé mon piano, je demande excuse. J'ai quitté la salle. Mais vous avez les sensations et là. Personne ne t'a demandé de remboursement, de compréhension d'humain. Elle saute tout le temps, elle danse. Elle est heureuse, hein? Oh, absolument. Je ne suis pas du tout un fantôme du tout, non. Je suis chair et sang, comme vous, comme tout le monde. Je suis faible, j'ai beaucoup de faiblesses, beaucoup de désavantages, beaucoup de défauts.
Quelques jours, vous allez donner un concert à Pleyel et c'est encore pour la chapelle royale de Saint-Denis. Pour la restauration de la chapelle. Bonjour, capitaine. Bonjour, monsieur. Bonjour, maître. Comment ça marche? Ça va? Très bien, je vous remercie. C'est formidable ce que vous faites. Alors, à la fin de ce travail, les fouilles qui nous avons donné un résultat vraiment brillant et extraordinaire, nous avons une découverte très, très importante. Fresque carolingienne. Et c'est un message qui vient d'au-delà, qui signifie avec le cœur fraternel. Siècle. Et puis cette tour gallo-romaine, 3e siècle. Quand je l'ai acheté, cette chapelle, c'était un garage pour l'automobile. Avant, c'était un manège pour le cheval. Mon idée fixe, enfin, mon rêve pour reconstruire cette chapelle royale et transformer pour une chapelle pour la musique et pour tous les arts. Le théâtre, la musique, la peinture, l'art lyrique et éventuellement le cinéma. Mais avant tout ça, bien entendu, nous avons 1000 choses à faire. Par exemple, les fenêtres, les questions des fenêtres, les vitraux. J'ai demandé les artistes, les peintres contemporains, le nettoyage, le brossage pour les pierres, le ravalement, etc. Ensuite, reconstruire et poser les dalles. Et après, sur la dalle, le fauteuil. Et après, l'éclairage, les installations de chauffage, etc. Et puis là, exactement, au-dessus de cette tour-là, je vais installer l'orchestre. Puis poser mon piano de concert. Et je vais attaquer les premières mesures de mon concerto avec l'orchestre, comme ça. Cette progrès, qu'est-ce que nous avons fait pendant 2 ans et demi, 3 ans. Mais il faut le dire qu'il y a pas mal de choses à faire. Quoi. C'est le cadeau d'éternel. Alors merci. Avec plaisir.